Camille Santoro opérée d'une tumeur, elle de lourdes révélations sur Instagram. Elle a fortement ému ses abonnés le 10 novembre avec une confidence importante. Dans une story Instagram, Camille Santoro, candidate de l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL, a évoqué la naissance de son premier fils, Alessio. Il y a 12 ans, je mettais au monde mon tout premier petit garçon. J'ai eu mon fils très jeune. On était deux enfants éperdument amoureux et ce choix d'avoir cet enfant à ce moment-là, c'était le choix de toute une vie. On était tout seul, beaucoup de monde ne croyait pas en nous et on en était conscient. On comprenait, mais c'était dur, a raconté la mère de famille. Camille Santoro a continué, toujours plus touchée par l'enthousiasme de ses followers, 12 ans plus tard. Si j'avais su que ce merveilleux petit garçon qui les serait à la tête de cette fratrie incroyable. Je n'en reviens pas. C'est un peu irréaliste. Guillaumet. Ce lundi 14 novembre 2022 toutefois, c'est une anecdote moins joyeuse que Camille Santoro a partagée dans une story Instagram. Elle a en effet réagi aux nombreux messages qu'elle reçoit d'internautes qui lui reprochent un tic, elle se touche sans arrêt les cheveux. Je ne m'étale jamais trop vraiment sur ce sujet, c'est quelque chose dont je n'aime pas forcément parler. Mais comme ça vous saurez. Je reçois certains messages me disant, Camille, t'es insupportable à te toucher les cheveux. Et vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous. C'est insupportable, mais j'ai du mal à faire autrement. Guillaumet. Puis elle a continué, cash, quand j'avais 11 ans, je me suis fait opérer d'une tumeur à la tête et j'ai une cicatrice. C'est assez traumatisant pour une fille de 11 ans de passer au bloc, de se faire raser les cheveux. Qu'il y ait une repousse. Ce n'est vraiment pas une étape facile et c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Du coup, j'ai pris l'habitude de toujours faire ça pour qu'on ne puisse jamais voir ma cicatrice. Je suis vraiment désolée pour ça. J'ai conscience que c'est assez insupportable. J'ai beaucoup de mal à aller contre et c'est comme ça. C'est aussi pour ça que je vais très rarement chez le coiffeur. Je déteste voir cette cicatrice. Tout est pardonné, Camille.